on va revoir une vache que j'ai vue la semaine dernière, en ostéopathie déjà, qui a une paralysie de nerfs. En fait, c'est l'équivalent un peu de la sciatique chez l'homme. L'avantage d'être un acteur central de la chaîne. Attention à votre tête, pardon. Salut Bichette. Ah ouais, voilà, super ça. Tranquille, voilà, pas plus vite que ça. Encore un peu. Voilà, très bien. Vas-y, lâche. Ouais. Enfin, là, je suis en train de travailler, on dirait pas, j'ai juste les mains posées dessus. Et pourtant, je suis en train de travailler sur les vertèbres cervicales, sur les muscles. Non, c'est bon là. Et c'est la même chose sur les phytosanitaires. À un moment donné, on nous a inculqué que c'était la solution au miracle, comme le médicament chez les vétérinaires. Et du coup, on se rend compte qu'avec le temps, il y a d'autres formules qui font qu'on peut faire la même chose avec... Alors, peut-être pas tout, mais on peut s'en passer. Quoi. On a des médicaments dont les temps d'attente vont de plus en plus augmenter. On a des... donc on va être amené à chercher plutôt à prévenir les problèmes. Et donc l'ostéopathie, l'acupuncture, enfin toutes ces médecines-là qui prennent le corps dans sa globalité, elles vont permettre d'éviter un certain nombre de maladies. C'est-à-dire que tout ce qui est gestion de l'immunité, tout ce qui est bien-être de l'animal en global, ça va permettre aux animaux de mieux se défendre contre les agressions, contre les infections. Le.